chantant l'hymne de la Slovénie. Et la Marseillaise, donc, en l'honneur de Marcel Desailly, 100e sélection aujourd'hui et de l'équipe de France. De l'Euro, donc c'est une très bonne équipe que l'équipe de France va affronter ce soir. Avec, Allez, c'est parti. Les Slovènes en blanc donc ont donné le coup d'envoi et premier ballon dégagé par la tête de Lilian Thuram. Et Thuram. Wiltord qui va pouvoir centrer. Elle est contrée cette... avec Chipot là. Et il se fait contrer, Chipot. Zidane. Allez, but. Le poteau. J'ai parlé trop tôt. Zahovic. Il est passé devant. Il a passé la jambe. Wiltord. Il frappe Wiltord. C'est cadré, mais bon arrêt, Simeunovic. Tous, même à 30 mètres du but, mon défend. Vieira. Allez, voilà, but de Vieira. Quelle frappe de Vieira, magnifique. Ce qu'il est presque tout autant, Thierry. C'est la qualité du 1-2. Car dans une surface, une défense hyper. Et ça fait plaisir à Robert Pires. N'a absolument pas besoin de contrôler son ballon. Pied d'appui à hauteur du ballon. On n'a pas entendu. Dégagement de Marcel Desailly, la tête de Marley, très bon contrôle. Oh, il frappe de loin, il a vu avancer. Il a vu que Simeunovic était avancé. Thierry Henry, c'est vous. Jouez tous les deux dans l'axe en pointe. Attention, petit homme, mais il n'est pas réussi. Zidane. Ça s'est bien frappé. Oh, c'est bien frappé. Lélé, Henri, Zidane, allez, il faut frapper. Superbe sortie de Simeunovic. De Saï avec Henri. Il s'est bien retourné, Thierry Henry. Il est seul. Oui. Mais il a trouvé son copain Wiltord. Wiltord va pouvoir centrer. Et but. Et le drapeau ne s'est pas levé. Le but est marqué par Marley. Le tout à la... Si le ballon est donné en avant, il n'y a pas de position de hors-jeu, car au départ, vous le voyez, par rapport au ballon, Steve Marley est en retrait. Allez, il est reparti une fois encore. Lilian Thuram. Troisième but. Et but de Marley. Bis repetita, exactement. Ou pratiquement le même mouvement. Il était reparti, Lilian Thuram. Superbe ballon. Et il a plongé au premier poteau, Steve Simeunovic. Mais l'intérieur du poteau, pas de position de hors-jeu, bien sûr. Il passe devant tout le monde. Belle frappe de Steve Marley. Lynn se fait contrer. Vieira dans la course de Thierry Henry. Il va vite. Simeunovic donne à Steve Marley. Et peut-être qu'au bout de sa course, il estime monsieur Milton Nielsen. Le décalage est fait. Oulala, Wiltord. Balle piquée. Il fallait la chercher. Elle y était dans la lucarne. Oh oui, elle était pas loin en tout cas. Elle était dans... Ce sont des joueurs en forme. Sylvain Wiltord, il ne sait plus quoi faire. Finalement, un peu de réussite. Elle n'est pas finie. Donné à Wiltord. Zizou, Wiltord. Quel but, c'est pas Henri, c'est Wiltord. Mais quel but vraiment magnifique de la part de l'équipe de France. Extérieur du pied. C'est quand même son 14e but en équipe de France, Jean-Michel, et il est pas vilain. Va-t-il penser au match de mercredi? Oui, parce que mercredi, il y a le match contre Malte. À Malte, celui-là. Non, elle n'est pas sortie. Sur ce centre, 5e but pour l'équipe de France à la 41e minute. Et bien voir tout le banc. Sidney Govou. La précédente, elle avait été concédée face. C'est un petit peu bizarre, c'est d'être une équipe slovène un peu. Mixte contre le Honduras, c'est un but à 1. France, Pavlin, dans la course de Siljak.
ce ne sera pas le premier. Il est en congé, Vincent. Hein, c'est bien ça, Pascal. Exact. Oui. Ah ben, je sais tout sur le planning du service des sports. C'est fini, c'est fini. Oh, il n'a pas mis une minute supplémentaire. Il n'a pas donné de temps supplémentaire. 5-0, donc la France a battu la Slovénie. Début de signé Vieira, 10e minute.